Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je vous présente un nouveau tour de magie, en compagnie de Brigitte. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Eh bien c'est parti, je te propose Brigitte aujourd'hui une expérience inédite. Une expérience où en théorie il y a deux personnes. Tu es toute seule, c'est pas grave. Hélas. Pour cela je vais te remettre un stylo. Merci. Une feuille de papier dont j'ai déjà commencé à écrire des choses. D'accord. Ici première carte. Ici, deuxième carte. Je pense que tu as tout compris. Oui, je note les cartes que je vais choisir. Voilà. Il faudrait que je les monte au... Tu pourras montrer, évidemment, à la caméra. Laisseras 2-3 ondes pour que le temps, les gens puissent mémoriser les cartes. D'accord ? Et surtout, tu ne me les montres pas. Tu pourras même replier le papier, le cacher. Enfin bref, ce que tu veux. Ok. Ok, c'est parti. C'est parti. Ok, parce que là, il faut que ça parte bien. Mm-hmm. Alors... Un jeu de 52 cartes. Bien sûr. Un jeu de 52 cartes est composé de cartes à points, de cartes figures, et aussi de jokers. Alors les jokers ne vont pas nous servir, donc je les enlève. D'accord ? D'accord. Alors ça va être très simple. Je vais te demander simplement de mémoriser une carte. Une seule carte pour le moment. Alors pour faire simple, on va prendre une carte rouge, une carte noire, parce qu'il va y avoir deux cartes. D'accord ? Là, je vais te demander de mémoriser une carte, la première carte, donc une carte rouge, et de la noter à l'endroit que j'ai noté sur le papier, première carte. D'accord. Ça y est ? Oui. C'était très vite, mais ça y est. Tu veux qu'on recommence ? Oui, s'il te plaît. D'accord. Ça va vite. C'est bon. Ok, donc tu notes la carte rouge que tu as mémorisée, tu la notes sur sur l'inscription de la première carte. C'est fait ? Oh, il y a un gros dessin qui se fait là. C'est fait ? C'est fait. Tu replies pour pas que je voie. D'accord ? Et maintenant, ça va être pareil. Tu vas mémoriser pour une carte noire. C'est parti. Ça y est ? J'ai pas le temps de voir. Ça va trop vite. Ok. Alors. Oui, ça y est. Ça y est ? Oui. Très bien. Donc, tu notes la carte que tu as vue. La carte noire que tu as vue, au deuxième emplacement, comme ça, pas d'ambiguïté, tout est noté. D'accord ? Voilà. Très bien, donc tu refermes bien le papier, de manière à ce que je ne puisse pas voir aucune inscription. À la limite, tu peux même cacher le papier. Non, si tu bon, penses que je peux magouiller. Non, je mets, très je bien. Mets le papier sous mes mains. Très bien, le stylo est refermé. Et tout est refermé. D'accord, bon, bah écoute, on va laisser ça là. Je t'ai dit au début que j'allais faire une révélation et une divination. Oui. Est-ce que je l'ai dit ? Je ne sais plus si je l'ai dit. Hein ? En fait, je vais m'amuser à ça. Je vais faire une divination pour la première carte et une révélation pour la deuxième. Mm-hmm. Ça te convient ? Ça me va. Alors, pour la première carte, on va prendre la carte rouge. D'accord ? Dans un jeu, tu as des figures, tu as des points. Mm-hmm. D'accord ? Selon mon intuition, je pense que tu as choisi une carte à points. Oui. D'accord. C'est déjà pas mal. Une chance sur deux. Bien sûr. D'accord. Dans les cartes à points, tu as de l'as au 10. Oui. D'accord. Quelque chose me dit... Alors, si je me trompe, je m'arrête. Hein. D'accord. Et après, je serai obligé de révéler ta carte. D'accord. Je pense que c'est une carte pair que tu as choisie. J'ai un chiffre pair. Oui. De très faible valeur, très 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 faible, très peu de points sur la carte, très peu. Ouais. Enfin, une carte inférieure, plus bas que 8, plus bas, inférieure à 8. Oui. Elle est vraiment inférieure, hein. Inférieure. En dessous de 8. Non. Ah, donc, tu vois, c'est très difficile. Oui. Mais par contre, une chose qui se dessine de façon distincte dans ton esprit, c'est que je vois une forme en haut de la valeur. On voit, c'est pointu. Je dirais que c'est du carreau que tu as choisi. Oui. Et je dirais même mieux, Je pense que tu as choisi le 8 de carreau. Yes. C'est vrai, c'est incroyable. Je suis pâtée. D'accord. Et pour la deuxième expérience, je t'ai dit que j'allais faire une... révélation. D'accord. Peux-tu nommer maintenant à haute voix le nom de ta carte ? Je peux regarder parce que je me rappelle. Tu peux le noter, tu peux regarder.
et le nommer. Alors, c'est le roi de pique. Le roi de pique. Oui. Personne ne pouvait savoir, seulement toi. Oui. D'accord ? Seulement, j'avais fait une prédiction, figure-toi. Non. Depuis le début. Non. Eh si. Derrière mon étui, j'avais mis une carte. Je ne sais pas si on voit bien, avec un point d'interrogation. Et si on enlève doucement cette carte... Mais dis pas que c'est le roi de pique. Et si on regarde... Tu as dit le roi de pique? Eh ben, c'était exactement le roi de pique. Ah, je suis bluffée, mais franchement, trop fort. Hein. Super. Moi, ça t'a plu. Moi, je vais vous faire voir, hein, pour vous dire... 8 de carreau et roi de pique. Voilà. Franchement. Épatant. Franchement, je suis super. Bluffée. Eh bien, mes amis, merci. Eh bien, mes amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en compagnie de Brigitte. En attendant, travaillez bien et je vous dis, et on vous dit à bientôt. Bien sûr, à bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.